Coucou les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous une page de mon petit journal créatif. Voilà, c'est un petit journal que j'ai trouvé chez Temu. Je trouvais ça vachement mignon et c'est un petit format, hein, ça fait c'est du 10 sur 17. Et je vais faire cette vidéo en deux temps. Dans un premier temps, je vais faire une aquarelle. Alors, c'est un tampon que j'ai trouvé chez Temu, hein. Je crois que c'est mon fournisseur officiel, mais comme à beaucoup d'entre nous. Et voilà, ces petits tampons oiseaux. Et une fois reçu, je me suis rappelé que j'en avais déjà un tampon oiseau, hein, sur une branche comme ça. C'est pas tout à fait le même, enfin, bon. Quitte à racheter un tampon, autant acheter autre chose, quoi. Un autre modèle. Bon, tant pis. C'est fait, c'est fait. Donc, voilà. Je me sers de ma planche de tamponnage et puis je vais les peindre à l'aquarelle. Voilà, donc je fais déjà ma petite peinture aquarelle et ensuite je viendrai incorporer ce dessin dans mon petit journal créatif. Voilà, j'appelle ça comme ça. J'ai vu qu'il y avait une personne qui faisait ça sur, j'ai vu sur Insta. Et elle avait appelé ça comme ça. Et je dis, le nom, c'est très bien. Journal créatif, voilà. Ouais, elle avait mis mini journal créatif, mais moi j'appelle ça mon petit journal créatif. Chacun son truc, hein. Voilà. Donc, je me rappelle plus par contre parce que j'ai fait la vidéo il y a quelques temps. Là, je suis en voix surimposée, là, en voix off là-dessus, mais je sais plus ce que j'ai fait, si j'ai découpé ou alors je sais plus. Ah non, vous allez voir, je vais le faire, mon dessin. Je vais le découper après en trois tags. Bah oui, j'ai fait ça il y a quelques temps, je ne m'en rappelais plus. Hein. Ah bah il y a des fois, on n'a pas toute sa tête non plus, surtout moi. Hein. Donc voilà, les couleurs, évidemment, en caméra, ça ressort pas terrible. C'est quand même bien plus vif que ça. Là, c'est toujours un peu estompé, je sais pas pourquoi. Donc, voilà. Écoutez, je vais vous laisser en musique et puis après, je vous retrouve par la suite. Et à la suite de ça, vous allez voir le petit journal que j'ai trouvé, que j'ai acheté. Les peintures, là, que vous voyez, les aquarelles, j'avais acheté ça chez AliExpress. Voilà. Et d'ailleurs, elles sont... Il y a les mêmes chez Temu et elles sont moins chères. Donc, vous voyez, je crois qu'elles sont dans les 7 euros et je crois que chez Ali, j'avais payé dans les 10, hein. Donc ça fait un sacré écart. Hein. Mais Temu, ça a dépassé franchement AliExpress dans le sens où déjà on est livré bien plus vite. Hein. Là j'ai commandé chez Ali quelque chose, je ne sais plus ce que c'est, un bijou, je ne sais plus. Ah ça a mis... Qu'est-ce que c'était? Je ne me rappelle plus. Des boucles d'oreilles, je ne sais plus. Enfin bref, ça a mis un mois et demi quoi. Un tout petit truc, ça a mis un mois et demi, c'est énorme. Donc voilà quoi. Allez, je vous laisse et je vous retrouve plus tard.
Voilà, bah, c'est le petit journal dont je vous parlais, que j'ai trouvé chez Temu. De temps en temps, je viendrai faire une vidéo comme ça, faire une page avec vous, quoi, histoire de partager, parce que j'aime pas créer toute seule comme ça, bon, sans partager, bon. Donc, je partagerai ça avec vous, je ferai des petites pages, et puis si ça vous tente, bah, n'hésitez pas à vous aussi vous trouver un petit carnet comme ça. Et puis, je trouve que, bon, bah, même si vous n'avez pas sur Temu, mais je pense qu'il y en a sur Amazon, il y en a chez Cultura, on peut trouver ça un peu partout. Moi, ce que j'aime bien, c'est surtout la taille, parce que j'ai des art journal que, bon, j'en ai fait trois. Et voilà, la taille, c'est du 20-20 à peu près, quoi. Donc, je trouve que c'est plus facile à faire des petits formats en fin de compte que. Bah, trop petit format, c'est galère, hein, comme le ticket bonheur, mais cette taille-là, je trouve que c'est bien. Ça va vite à faire et ça permet de changer de style. Moi, je ne fais pas toujours le même style, hein. J'aime un peu beaucoup de choses. Donc, voilà. Là, je vais mettre une page fond de papier et musique. Et puis. J'ai découpé, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai découpé mon dessin, mon aquarelle en trois tags. Et puis je vais les disposer comme ça sur la feuille. C'est bien la colle qui tombe. Je ne me rends même pas compte. La colle, elle est prête à couler. Et voilà, je mets ma petite page musique. J'ai ancré, bien sûr. Et puis je vais venir coller les petits. Ouais, j'avais mis à l'envers. Je vais mettre mes trois petits tags dessus. Je vais arranger ça à ma sauce. Alors, le papier n'est pas spécialement épais. Donc, si vous pensez que c'est trop fin, ou je ne sais pas, je verrai au fur et à mesure, mais si c'est trop fin, vous collez deux pages ensemble et ça va vous faire un papier un peu plus solide, quoi. Voilà. Les recharges de ces petits carnets, il y a les recharges papier, je les ai vues. J'avais mis dans mon panier tout, puis après, je me suis dit, non, mais attends, comment dire? Il y a déjà beaucoup beaucoup de feuilles, hein, donc avant de finir tout le carnet, il passera du temps. Hein. Donc, voilà quoi. Donc là, ce sont moi ce que je vais faire aussi par la suite, c'est avec mes collectables, des images que je vais découper. C'est pas des autocollants, on peut en mettre aussi. Hein. J'ai vu qu'il y en avait des très beaux aussi, des rouleaux de stickers chez Temu. Ils sont très jolis, j'en ai vu des beaux, j'en ai mis dans le panier, on verra. Des fois, je mets des trucs, puis je commande pas. Hein. Je pas trop, je dépense pas en scrap comme ça. Déjà parce que j'ai beaucoup de choses. Puis en plus, j'ai autre chose à m'acheter que ça, quoi. Voilà. Bon, bref. Je poursuis la vidéo. Bah, je vais vous laisser en musique, c'est pas à peine que je parlotte comme ça des heures. Hein. Voilà, tout de suite, je vous retrouve.
Voilà les amis, j'en ai fini pour ma petite page de journal créatif. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de partager, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle page parce que bah, ça me plaît bien. Et puis, j'ai envie d'en faire d'autres. Voilà, bisous, bisous, bye bye.